Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Generix. On se retrouve ensemble pour la suite. Voilà, on est parti, on est lancé. Alors, on va faire un petit tour pour vous montrer ce que je vais faire, ce que j'ai fait. Et non, on va faire le contraire. Plutôt, on va voir ensemble un petit peu le menu, ce qu'on va faire. Et après, on ira faire un petit tour de ce que j'ai fait. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis, on va crafter la plateforme de lancement. J'ai toutes les ressources. On va crafter l'extracteur de minerai. Donc j'ai commencé à crafter un peu les ressources. L'extracteur de minerai. On va crafter le collecteur d'eau. On va crafter le recycleur. Et on va crafter l'épandeur d'herbe. Voilà, je pense que ce sera pas mal au final. Donc voilà. Donc on va faire ces quatre crafts. Alors, on va se remettre ça. Dans un premier temps, on va faire ça. Déjà, paf. Là. Tac. Alors, dans un premier temps, on fait un petit tour du propriétaire pour vous montrer ce que j'ai fait. Alors, ici, on est sur l'eau liquide. D'ailleurs, on va y passer bientôt, hein. C'est pour ça qu'il nous faut le collecteur d'eau. J'ai un petit peu réorganisé. Alors ici, j'ai mis les coffres tous ensemble. Voilà. J'ai viré tous les chauffages et j'ai mis des coffres parce que. Ça manquait cruellement de coffres et ça devenait vraiment le bordel. Voilà, c'était pas propre en fait. Voilà. Là, donc, on a toute notre bouffe qui nous suffit largement. Rien qu'un comme ça suffit largement pour remonter la barre de nourriture. Ici, on a commencé à faire un second étage. Donc, j'ai fait le T3, le chauffage T3 qui est là. Nos trois chauffages qui sont là. Attends, je vais mettre ça. Parce que là, pourquoi je vois plus les. Attends. Non, on ne déconstruit pas. Ouais, mais j'ai plus mes trucs en fait. Attends, tac. Ah, j'ai un bug. Je le vois que quand je sors l'interface. Bon, on va sortir l'interface. Donc là, on est à 4,5 pks par seconde. Donc ce qui est pas vraiment ouf, mais bon, ça suffit. Et celui-là, on est à 28,50 pks par seconde, qui lui est vraiment beaucoup plus sympathique. Après, on a fait ça. Voilà. On a fait le biodôme, qui lui, ben, rapporte pas mal au final au niveau de l'oxygène, puisqu'on a 135 par seconde d'oxy. Même si je trouve que c'est pas. Voilà, là, j'ai remis une petite salle de contrôle avec le siège et tout. Voilà, je suis un peu éclaté. Même si je trouve que c'est pas ouf, quand même. Voilà. Bon, on a la chaleur qui monte à 448, sachant qu'il me faut du 1000 pour faire fondre toute la glace qu'il y a. Il y en a déjà à 500, ça commence à fondre. Et le plus gros, c'est à 1000. Non, bah, on va y arriver, mais au final, voilà, j'ai pas vraiment forcé sur la chaleur, hein. En fait, je débloque les crafts, au fur et à mesure que je débloque les crafts, eh bien, on les craft ensemble. Alors ça me dérange, par contre, que je puisse plus avoir mon truc, là. Voilà, alors j'ai plus mes stats. J'ai plus de faire F2. Pour avoir mes stats, hein, je les ai plus, j'ai plus de faire ça. Bon, on est sur une early access, tant pis, on fera comme ça pour le bide là. Je vais pas relancer. Donc voilà en gros, donc on a un petit peu agrandi. J'ai complètement remodelé la base. Voilà, extérieur. On a un petit peu de la merde. On a une base qui est un peu plus sympathique à regarder déjà. Donc savoir qu'on pourra s'étendre là. Là, j'ai sorti la grande tour que j'avais fait parce qu'au final, ben, c'était pas du tout ça. Ben, j'avais fait sur la vidéo d'avant. Donc, ben, on va se lancer des crafts, les amis, si vous voulez bien. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on va commencer.
J'aimerais que ça arrête de trembler. On va commencer par la plateforme de lancement. Accélère considérablement le processus de terraforming en envoyant des fusées dans l'espace. Donc ça, ça peut être sympa. Donc j'ai, pour le biais de la vidéo, j'en ai construit deux. Je me suis dit, bon, c'est bon, je pense qu'on va passer. Hein. On verra bien. Quand même. Ouais, parce que je rajoute du matos quand même. On va rajouter ça, on va rajouter ça, on va rajouter ça. Les pandeurs, donc les pandeurs normalement. Ah, ils bouffent de l'énergie. Oh, ça va être chaud en fait. C'est pas grave, je peux en faire. J'ai ressources, j'ai bien farmé. J'ai couru un petit peu sur toute la. Quoi, un petit peu beaucoup dans toute la map. Donc on va pouvoir faire tout ça. Alors on commence par la plateforme. Donc on va aller chercher le super rayage. Il nous en faut 1, 2, 3. On peut en prendre 4 si on veut. Hein. Donc elle, on va la faire de suite. Tac, tac, tac. On va se la mettre, je sais pas où. D'ailleurs. Parce que je pense que ça doit être balèze. Je vais pas avoir la place. Putain. En haut du caillou, peut-être là. Est-ce qu'il va me l'accepter? Je peux la mettre là. Et là, ça me dit quoi? Est-ce que je peux la mettre là? Ça fait loin de la base. Ah, je peux la mettre derrière. On va la mettre ici. Là. Ah ouais, mais oui, mais je peux plus m'agrandir. Là. On va la mettre là. 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 Là, on est pas mal. Je pense que je suis loin de la base. Et j'ai dézingué l'électricité, j'en ai plus. Putain, j'ai foutu l'électricité à plat. Et j'ai fait deux panneaux solaires, les amis. Hein. Et je viens de faire tomber l'électricité. Bon, déjà ça bouffe. Hein. Alors, ben, il me faut magnésium, silicium, cobalt et aluminium. Donc on a tout. Aluminium. Je vais en prendre deux, hein, je vais en faire deux. Aluminium, cobalt, magnésium, j'ai dit. Un, deux. Silicium, ouais. Magnésium. Et qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque 4 cobalt. 1, 2, 3, 4. 4 cobalt. Et puis il me faut 2 fer aussi. Qu'est-ce que je les ai 2 fer? Ouais. Allez, on va refaire des panneaux solaires. Alors ça c'est tombé avec là. Avec la merde qui vient de tomber. Allez, on fait ça. Ici. Donc, j'avais pas prévu de. Bon, bah, si, quand même. Non, j'avais pas prévu, mais je m'étais dit que. J'allais foutre l'électricité par terre, ça c'est clair et net. On peut bien le coller. Voilà. Donc on a fait notre... Attends, je vais boire un coup. Tac, 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 tac. Hop, hop. Là. J'ai mangé un tros aussi, alors je mange celui-là. Là, comme ça, vous allez voir tout ce que ça remplit. Ça, c'est quand même sympathique. Rien qu'un. Hein. C'est les haricots verts, ça. Ouais, les haricots, là. Putain, c'est un truc de fou, ces haricots de l'espace. Alors, on va aller voir ce qu'on a fait. Hein, parce que, du coup, on a fait tomber les lacs. Mais, voilà. Bon, j'ai voulu mettre un peu tout loin de la base. Je mettrai des piquets là parce que ça me plaît pas, c'est pas joli. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oh, j'en sais rien. Voilà, c'est comme ça. C'est juste pour le style. On peut monter en haut. Voilà, on peut monter. On est en haut. Ah, 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 ah. Ah, il faut fabriquer des fusées. J'en aurais pas assez, je vous le dis direct. Un moteur, j'ai pas. Merde. Je vais pas en avoir assez du super alliage. Bah, c'est pas grave. On continue notre programme. Oh, j'aurais bien aimé balancer une fusée. Qu'est-ce qu'elle a sur la fusée d'attraction? Après, j'ai des moteurs de fusée, mais je pourrais pas refaire le jetpack. On va voir si du jetpack, tant pis, on le fera pas. Au final. Ouais.
On veut plutôt. Attends, attirer les astéroïdes d'uranium donne un bonus global de régénération de chaleur. Et celui-là, attirer les astéroïdes d'uranium donne un bonus global de générateur de pression en protégeant le champ magnétique. Fusée de protection de champ magnétique. Ah ouais, d'accord, ok. On fera plus tard décoller ça, c'est pas une priorité. Déjà, ça va nous rapporter du bonus, c'est ce que je veux en fait. On mettra une fusée plus tard, les amis. Prochaine vidéo, là, j'avais pas prévu de caler une fusée. Alors, là, j'ai dit. Donc, on a fait ça. On va faire l'extracteur de minerai. Donc, il me faut un alu et deux osmium. Donc, ça, je les ai. J'ai trouvé la ressource. Donc, je vous ai dit, je me suis pas mal baladé. Il m'en faut deux. Un, deux. J'ai même trouvé du soufre. Je vois pas encore. Alors, pour l'instant, j'ai pas trouvé son utilité, mais je l'ai pris. Parce que je me suis dit que quand je veux vouloir en avoir, il va falloir que je recode. Que je recours. Waouh! Générix! Donc, j'ai dit ça, et il me manque un alu. Un alu qu'on a ici. Donc là. Et on va caler ça, l'extracteur de minerai. Voilà. On va se faire tomber encore les lecs, c'est certain. Et parce que les trucs, ils commencent vraiment à être balèzes. C'est gros ça? Oh, ça va. Ça va. Alors, l'extracteur de minerai, on va le mettre. Ben, on va le mettre ici. Voilà. Dans quel sens? Comme ça? Ici ou je le mets là ou ailleurs? Je sais pas. Ouais, parce que là, ça me dérange parce que si je veux mettre un peu plus de T3 au final, ça va me faire chier. Alors je vais le mettre et là, si je veux agrandir ma base, je vais venir taper dedans. On va le mettre ici. Là. Voilà. Je vais pas agrandir la base jusque-là quand même. Là, je le mets là. Ça, je peux toujours le démonter. Là, j'ai fait encore tomber la. Les lecs. Même avec un générateur d'uranium. Alors, est-ce que je peux en faire un? Je vais voir si je peux en faire un. Parce qu'après, il faut mettre de l'uranium, je crois, dedans. Non, je sais plus ce que j'ai fait en fait. Non, on met rien dedans. Non, on l'a fait tomber, donc on va en faire un. Non, on va pas en faire un en fait. Parce que j'aurai jamais de super assez de super alliage. Bah, je sais où on peut les trouver, mais bon, j'avais pas prévu. Hein. On va se faire deux panneaux solaires. Putain, deux panneaux solaires, il va y en avoir. En veux-tu, en voilà. Panneau solaire, donc fer, magnésium, silicium, cobalt, et j'ai pas assez de cobalt. Voilà, je me suis fait baiser. Oh non, oh non, oh. Allez, je vais chercher le cobalt vite fait. Voilà, c'est ce que je voulais éviter, justement. Voilà, ce que je voulais éviter. Pourquoi il y a un aluminium là? Je le prends, je vais pas le laisser. Ah, il est tombé du ciel. Non, on veut du cobalt. Ah, je crois qu'il y en a un là. Là. Il n'est pas caché, bon, le cobalt là. Non, on peut pas l'avoir. Alors, j'ai l'impression qu'il y a moins de ressources. Alors, dites-moi dans l'espace commentaire si vous aussi vous avez vu qu'il y avait moins de ressources. Voilà, plus on avance dans le jeu et moins on a de ressources. Vous voyez, je vais recourir plus là. Alors cobalt il m'en faut combien? Parce que je vais pas. On va pas en farmer. Panneau solaire à cette vitesse là. Tac. Je vais pouvoir en caler du panneau solaire. Hein.
Là, il me faut quoi d'autre? Parce que si je peux éviter de le prendre, il me faut du fer, magnésium et silicium. Il n'y a pas un peu de silicium qui traîne par là? Fer, on en a là. Combien de fer? Un fer, donc je vais en prendre plusieurs. Silicium, on a quoi là-dedans? Oh, mais ça tombe très bien. Tac, du silicium. Je reviendrai le vider un peu plus tard. Là, et ah, il me faut du magnésium. Attends, tu tombes vraiment à pic. Hop, alors je vais former du magnésium ici. Allez, encore un autre pour le style. Il me faudra de l'alu. Ah, il me faut deux places pour l'alu quand même. Ouais, donc je garde la place pour l'alu. Donc voyez, regardez, on a des nuages maintenant. C'est cool. Ici, là. Hop. Donc on est passé en T4 aussi. Alors là je suis passé les bottes T2, je les ai pas déverrouillées encore. T4 et on est passé en T4. Voilà. Donc dès que je peux le faire, je l'ai fait ça parce que. Alors les panneaux solaires c'est chouette parce qu'ils marchent la nuit. Non, sans commentaire. Je voulais quoi de là du. Un silicium, un allium, on peut en faire un autre. Bon, on va faire avec ça. Alors, il me faut. Alors, on a fait celui-là. Maintenant, donc, il tourne. Voilà. On va aller le voir. Hein. Il est où? Il est là. D'accord. Et là, tu vas me donner des ressources, toi. On est d'accord, hein. Ok. Là, tu me donnes du silicium. C'est très bien. Mais par contre, c'est aléatoire, donc on peut pas choisir vraiment ce qu'on veut comme ressource. D'accord. Donc là, tu vas me former du silicium, donc ça, on en mettra plusieurs. Donc en fait, là, ce que je fais, c'est que j'essaie de farmer un exemplaire. Tout dépend du besoin que j'ai en fait. Mais voilà, on va essayer de farmer un exemplaire de chaque pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, ça, on l'a fait. On va passer donc sur le collecteur d'eau atmosphérique. Hein. Ouais, d'accord. J'en ai sûrement non. Allez, on repart dedans. Par contre, là, ça pompe quand même ça. Hein. Faut que j'aille rechercher des super alliages. J'ai dit quoi? Alors, il me faut un silicium, un alu. Alors, un alu. On demande que j'ai fait le stock. Un silicium. Là. Et on va pouvoir caler ça. Et un super alliage. On verra ce qui nous restera en super alliage. On va voir si on peut faire autre chose. Là. Donc ça, on va le caler. On va le caler. On va le mettre où ça? Collecteur d'eau. C'est joli ça ou pas? Ah, déjà, il n'est pas dans le bon sens. Où c'est qu'on peut le mettre? Ça, je sais pas si on peut la démonter en fait, parce qu'elle aurait été bien là.
Le collecteur d'eau, alors moi je le verrais. Ah, en fait là il aurait été très bien. Ça se démonte ça ou pas? On peut pas la démonter en fait. La capsule. Tant pis. Alors est-ce que je peux le mettre là-bas au fond, le collecteur d'eau? Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Est-ce que ça fait trop loin ou en distance? Ça fait trop loin ou pas? On va voir si on fait tomber les lacs. Et on n'a pas. Ouais, il tourne. Donc on est. Et on s'étale. Donc là on a le collecteur d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Ouvrir le collecteur d'eau. Il va nous. Ah, il nous fait des bouteilles d'eau. D'accord. Puis ça va, puis on automatise quand même. Hein. On devient feignant. Ah, j'ai plus de. Hey, tu m'as pas fait une bouteille? Non. On peut pas choisir. Donc il nous en manque un à crafter. Là, il me faut de la flotte. Tac. Là, hop. Est-ce que je becte là? Ouais, j'ai mangé ça. Voilà, une aubergine. Hop. Vous voyez, l'aubergine, c'est léger quand même. Hein. Là. Voilà, il nous reste donc à faire lui, le recycleur, donc il nous en faut 3, et après il nous faudra, pour mettre un peu de verdure, l'épandeur. Ouais, c'est bon. Donc là il m'en faut 3 super alliages. 1, 2, 3, il nous en restera 2. Donc on va faire ça, et on a tout, hein. Le collecteur permet de démanteler un objet et récupérer sa composante. C'est vraiment pour le crafter, quoi. Très sincèrement, c'est vraiment pas utile, ça. Combien il en faut? 3. Là, je n'en ai pas assez. Pour en faire un autre. Et là. Bon, on va le crafter parce que je suis parti pour le crafter, hein, les amis. Je le mets où? C'est comment balèze ça? C'est grand ça ou pas? Ah, c'est petit. Ah, ça se met dans la base. D'accord. Je le mets où ça? Alors là, dans la logique, il faudrait qu'il soit par ici. Puisque. Il y a un pupitre ou comment ça se passe là? Comment tu me la racontes à toi? Là, on va le mettre. Non, là, je pourrais plus passer. Parce que ça, c'est un peu la salle de craft là. Mais ça devient le bordel en fait. Ça devient vite le bordel, j'ai l'impression. On va le mettre. Je sais pas, une salle de libre. Bon, je pourrais toujours le redéplacer, hein. Alors, je le fous. Est-ce que je peux passer toujours après? Là. C'est optimisation de la place quand même. Ah, je peux plus passer. Je le mets n'importe où, ouais, pourquoi juste qu'il me fasse pas chier surtout. Parce que là, je suis en train de batailler avec cette merde. Tu vas le mettre là? T'es sérieux? Bah ouais.
Je vais rien mettre dedans. Bon, voilà, il est crafté. Hein. Je pense que je vais le péter pour récupérer la ressource. Ça, c'est clair et net. Et il nous faut l'épandeur d'herbe. Alors, la lirma, je l'ai. Deux bouteilles d'eau et un alu. Alors, la lirma, je l'ai ici. Voilà. Loupé. La lirma, elle est ici. Un, deux bouteilles d'eau et un alu. Ah, je l'ai, voilà, et on va le foutre, on va le mettre dehors, hein. On va essayer de bien parler. Alors, en verdoyau où? C'est rien, en verdoyau. Et je le mets ici, là. Voilà. Ah ouais, ah d'accord, ok, on voit la zone. Ça aurait été bien que... Ah ouais, elle est balèze la zone quand même. Enfin. Après, sous la base, on s'en fout que ça verdoie. Que vous en pensez, les amis? Oui, il faut verdoyer sous... il faut verdoyer tout là. Là aussi, non, on peut pas verdoyer là. Si, on peut verdoyer l'ensemble. Pourquoi je dis verdoyer? Et on va verdoyer ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça va verdoyer. Hein. Voilà. On a une croissance de 2%, donc c'est vraiment très lent. Ah, je voudrais que je verdoie un peu plus. C'est joli. Bon, voilà. Alors, ben, on a fait les nouveaux crafts. Ah, on va aller voir des crafts que j'ai déverrouillés. Pot de fleurs. Ah ça, de l'engrais, ah j'en ai chopé, mais je l'ai dans les coffres sur la map. Bon, c'est pas important, c'est un pot de fleurs. Ça j'en ai fait, hein. Mais je l'ai répété au final. Ouais, mais après je suis parti sur le biodôme en fait. Ouais. Ouais, on est à 135. En fait, je laissais tomber le bio. Ah, nouveau plan. Ah oui, 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 j'ai plein de plans à déverrouiller. Ah, ça commence à verdoyer. C'est joli. Rien, combien t'es là, toi? Toi, tu vas me plaire, par contre. À me faire quelque chose de joli, là. Bon, donc, il va falloir que j'en mette partout. Ça, on le fera. Ben, ça, ben, si vous le verrez au prochain vidéo. J'ai dit quoi? Je me suis perdu, là. Ah oui, j'ai plein de plans à déverrouiller. Voilà. Et encore, j'en ai encore dans des coffres. Hein. Là. Non, c'était pas là. C'était ici. Là. Voilà. Alors, on va déverrouiller. Hein. On va décoder celui-là. Nouveau plan reçu. Micropuce T2. D'accord. Là. Nouveau plan reçu. Satellite GPS T1. Pas obligé de gueuler. Nous on peut reçu broyeur. Ok. Lampe. Deux zones. Et le dernier. Nouveau plan reçu. Grand module d'habitation. Ah, il en a 4. Ah ouais. Quand même. Allez, on va aller voir les crafts. Et ben, on va se laisser sur ça, je pense que là, quand même. Les crafts que j'ai déverrouillé avec le dôme. Quoi, j'ai pas déverrouillé, mais à déverrouiller avec le dôme. Là. Alors, un 865G. Alors, un G, c'est les, c'est le biomasse de végétaux, en fait. Vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Là, je suis à 30G. 31, et ça, je pense que c'est le fait de verdoyer qui de mettre de la pelouse qui m'augmente les végétaux en fait. Vous voyez, 33, ça monte. 34. Donc, ça, ben, je vais m'en occuper à monter ces. Alors, c'est chouette, j'adore ça, moi, monter des scores comme ça. Après, on aura les insectes.
les animaux, donc ouais, des poissons, des aquariums, plein de trucs, biolab, ouais, c'est en train de monter, les végétaux, là. 38. Ouais, donc il va falloir faire de les biomasse, vous voyez, on a 38. Hein. Là, ben là, ça va, j'ai pas de soucis trop avec la chaleur. Même si il faut que j'optimise maintenant en fait ça, il faut que voilà je produise plus, j'aille chercher de la du super alliage pour faire des réacteurs nucléaires de psychopathes, hein, même si j'aime pas le nucléaire. Faire plus d'oxygène et puis voilà quoi. Maintenant il va falloir monter un petit peu les scores, ces scores là. On est, je sais pas pourquoi je redescends, on aurait pu le regarder là. Ah ben on est passé, étape suivante, les lacs. Voilà. Donc on est passé de l'eau liquide au lac. Donc maintenant on va avoir des lacs les amis, ça va être beaucoup plus sympathique. Hein. Là vous voyez déjà on commence à avoir... Alors normalement... C'est pas encore tout à fait respirable. Je me demande si plus tard ça va être vraiment respirable ou si... voilà l'eau 2... Si l'eau 2 elle descend plus, oh c'est joli, oh c'est caca, oh j'adore. On a combien là? 82%. Donc à 100%, je pense que ça va être quand même assez sympa à 100%. Oh c'est joli. Et je vais en mettre partout. Là. Ça me plaît beaucoup. Donc on est comme on commence à quand même à faire. Voilà une zone, mais il va falloir en mettre beaucoup, c'est ce que j'ai besoin de m'en rendre compte. Alors, le jetpack, est-ce que je pouvais le faire le jetpack au final? Ouais, donc il me reste un titane. Ouais, hop, on va faire le jetpack et on va se laisser sur ça, les amis, comme ça on va le tester. Voilà, on a notre jetpack. Hein. Je sais pas comment on le met. Attends. On va aller boire un coup et on va laisser le jetpack. Là. On va se combecter un coup aussi. On va manger celle-là. Faut que je mange un peu des aubergines pour l'équilibre alimentaire. Alors, ça donne quoi? Peut-être il faut l'activer. Attends, je regarde juste où c'est qu'on l'active. Contrôle. Alors, se déplacer. Attends. Moi, je joue la souris au clavier. Déplacer, action. Changer d'outil, courir, sauter, inventaire, menu, débloquer, touche d'accessibilité. Alors, je pense que ça doit être là. Non? Ah, ok. On peut monter? On peut pas monter un plus haut que ça. Je suis sûr qu'en courant je vais plus vite. Bon, d'accord. Je suis déçu. Je suis déçu les amis, c'est pas... ça casse pas des briques quand même, heureusement que c'est... En fait c'est cher, oui quand même, ça c'est cher à faire. Il y a même... Ah mais il y a un grade, là ok, il est en T1, d'accord ok. Voilà. Bon ben là il n'y a plus qu'à développer hein, un petit peu tout ça, mettre plus de verdure. On est à combien là? Là, on est passé par les lacs. Vous voyez comment ça avance? Là, ça avance plus. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce que j'ai fait, il faut le faire en plus grand. Faut voir grand, quoi. Là, on va avoir de la flotte qui se fait toute seule. Hein.
Allez, on fait ça et après on va se laisser sur, c'est sur ça. On va regarder ce que ça produit. On a des bouteilles d'eau gratos, donc c'est bien. Ça, pareil, il va falloir en faire. Hein. Donc, il va me falloir quand même du super alliage. Et là, on a quoi? On n'a pas des ressources ouf, hein, quand même. On va le vider quand même. On a un peu de tout, des ressources. Il est en grade, lui, ou pas? Il est en quoi? Ah oui, ça produit de la chaleur. Okay. En moins 34 d'énergie, hein, ça pompe sec. Ceux-là aussi, ils sont pas mal aussi. Et on est au 100% là ou pas? 100%, d'accord. Donc en gros, ça va donner ça. Faut en mettre beaucoup plus de l'herbe. Oh ben n'est pas trop mal quand même. Bon ben les amis, on va se laisser sur ça. Moi, ben je vais développer. Voilà. Alors ça fait un peu bizarre de mettre un réacteur nucléaire dans de l'herbe. Chercher l'erreur. On va sur de l'écologie et on met un réacteur nucléaire. J'aurais bien aimé l'éviter, mais quand vous voyez ce que ça dégage en électricité, c'est pas négligeable. Parce que vous voyez, tous les panneaux solaires que j'ai dû mettre. J'ai une mirage, quoi. Ok, ben on va se laisser sur ça, les amis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Nous, on se retrouve au prochain numéro. Et en attendant, faites bien attention à vous. Et sachez une chose, c'est que vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao.